Hey, bonsoir. Comment vous allez? La petite Jazette, il fait beau à Montréal, donc on va faire une petite Jazette. J'ai plein de messages, merci pour les cœurs déjà. Merci. Merci à tous mes impactés, merci à tous ceux qui comprennent mon combat. Merci. Un peu de fraîcheur, en semaine. Phyllis Guédette, comment va? Vanessa aussi, ma Juju, comment tu vas? Comment vous allez, mes personnes? Les impacter très très fort. Je vous remercie infiniment pour tout cet engouement-là. Vraiment. Oh, je jette quoi blanc. Bon après-midi, ma chérie. Comment tu vas? Écoutez, j'ai trop de messages dans mon inbox là. J'en ai tellement. J'ai dit bon. Partagez déjà, merci. Comme il fait beau à Montréal, il y a du soleil. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça. Est-ce que vous me voyez? La luminosité est bonne, tout et tout. Oh, nia, béi. Ah, moi, nia. Hé, Marie-Laure Kouamé, comment tu vas? Merci beaucoup, merci. Oui, Loakissi, comment vous allez? Aïe, les lunettes. Oh, qui m'a dit ça? Les lunettes qui vont avec. Ça, c'est ma. Comment elle s'appelle, ma petite sœur, là? Ah, j'oublie son nom. Lova. Hein? Elle dit les lunettes qui vont avec. Lova, elle fait comme toi. Les lunettes qui vont avec. C'est ça. Nya, je peux pas te basser, oh. Je peux pas te basser. Pour aimer, là, est-ce qu'on a besoin de se fatiguer? Et qu'est-ce? Comme je dis, là. Mes impactés, j'ai beaucoup de messages. Vous savez, j'ai pas fait, comment on dit ça, la causerie du vendredi, samedi soir passé aussi, j'ai pas parlé, tout et tout. Oui, je prends soin de moi. Aïe, je suis en forme. Et puis, à tes banquets, est-ce que ça chauffe? Le pays où coule le lait et le miel, dans le même robinet, c'est toi qui choisis, hein. C'est ça. C'est toi qui choisis. C'est ça. Ça, c'est mon impacté très très fort. Aboulaye So, comment vas-tu? Il dit j'attends le pagne. Merci beaucoup, Fofana Ali. Ben, je suis désolée là. I'm sorry. Fofana Ali, désolée. Ici, on parle d'autre chose. Excuse-moi beaucoup. Parfois, c'est vous qui me rendez un peu condescendante là. T'as pas besoin de venir dire ça ici là. Je veux pas te. Je sais pas comment on dit ça. Tu as un deuil, va où? Il y a les deuils là-bas. Il y a quel problème? Toujours en train de faire vouloir parler les gens. Écoutez, je suis pas là pour ça. J'ai reçu beaucoup de messages dans mon inbox. Qu'est-ce qu'il y a pour rigoler? Michel? Ah oui, c'est un direct pour rigoler. Ouais. J'ai reçu beaucoup de messages. J'en ai plein, mais quand même, j'essaie de les évacuer. Tout et tout. C'est ça, mes impactés m'ont envoyé un message très fort. C'est pour rigoler. Aïe, ouais, rigole. Angela Koufor, comment vas-tu, ma personne? Merci beaucoup. La mère, je te vois là. Oh là là. Oh my God. La mère, l'impacteuse, tu prends déjà beaucoup. Non, c'est pas du vin. Moi, je prends pas de l'alcool en semaine. Oh là là, dis le vin. Je prends pas d'alcool en semaine. Ah, c'est un jus de pomme. Je prends pas l'alcool en semaine. Je prends l'alcool seulement une fois par semaine, les vendredis. J'aime pas trop l'alcool. Oh, merci beaucoup. Merci. J'ai dit que ça chauffe pas. J'ai vu au Canada. Ici, les immigrants n'ont pas fait. On souffre pas ici. Immigrants, tu arrives là au bout de 2 ans déjà, 3 ans déjà, tu as ta place. C'est ça qui chauffe les cœurs. Ah, c'est que ça a chauffé les cœurs. On dit de nous vacciner et puis on va voyager. C'est ce qu'ils ont entendu. Donc, j'attends mon tour de vaccin. Je viens me vacciner. Et puis les flafla vont commencer. Aujourd'hui même, j'ai reçu l'invitation d'une soeur aux États-Unis. Elle m'a dit, ma soeur, je veux que tu viennes. Ma maman m'a invité aussi en Virginie. Elle dit, vous les Américains, vous voulez me tuer ou bien quoi? Là, si elle arrive aux États, elle fait comment? J'ai allé chez qui? J'ai laissé chez qui? Hein? De la Virginie, Washington, New York, c'est les invitations seulement. Elle dit, ils n'ont qu'à ouvrir les frontières. Vous allez voir votre impacteuse. Merci beaucoup. Mes impactés, j'ai reçu le message d'une soeur. Partagez le direct parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui touche la réalité. Ouais, notre vraie réalité.
africaine. Oh, la mer. Lago. Ah, mania. Hé, là, là. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Il fait soir, mais partager le sujet, parce que c'est important. C'est très important. Je vous lis, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai réservé le plus gros pour vendredi soir ou samedi soir. Tout dépend. J'ai réservé, ça dit, une histoire qui va dépasser. Celle même qui vit l'histoire, ça dit, tellement elle est dépassée par l'histoire, elle en rit. Mais ça, c'est pour le vendredi ou samedi soir. Tout dépend de comment je file. Ouais, si je feel good, là, on va faire ça. Mais ce soir, je vais vous lire l'histoire. Bonsoir, mon impacteuse. Un an déjà. Un an de mariage déjà et je suis déjà découragée de ce foyer. J'ai marié un homme d'une famille très envahissante. Ce sont ces propos que je reprends, je n'ajoute rien. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi ce monsieur que j'ai connu libre ne s'était jamais marié. Le seul cadre de cette famille, on a deux de ses frères et une sœur sous notre toit, tous des adultes et étudiants à la maison. J'attends mon premier bébé. J'ai 32 ans et lui 48 ans. C'est toujours sa famille. Et tiens-toi bien, son père et sa mère vivent. Réponds-moi s'il te plaît afin que je t'explique le reste. Je t'aime trop, l'impacteuse. Merci beaucoup. L'impacteuse, c'est ces gens qui l'aiment. Mes amis, voici l'histoire de notre soeur. Je l'ai appelée, oui, je l'ai appelée comme je vous ai dit. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît, mes personnes. Aïe. Partagez le direct. Mes amis, j'ai parlé avec cette soeur-là. Ce problème peut arriver à toi. Une femme qui n'est pas encore mariée, tu cherches un mari. Et puis tu rencontres cet homme-là. Tu vois en cet homme un homme bien. Merci, ma nièce. Je te vois déjà depuis ta position. Et puis tu vois en cet homme-là un homme bien, un homme avenant, tout et tout. Et puis tu te mets avec cet homme-là. Et tu constates que cet homme-là, il est d'une famille envahissante. On va appeler chien-chien, chat-chat. Les belles familles envahissantes. C'est ça aujourd'hui le sujet. Elle m'a écrit, c'est une dame, je l'ai rappelée après. Cette dame-là, elle est enceinte de 7 mois, elle attend son premier bébé. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, elle a comme, merci beaucoup. Elle a 32 ans, le monsieur a 48 ans. Elle dit l'impacteuse. Toi-même, tu connais. Moi, j'aime ton franc-parler là. Tu dis les bêtes. Si ça plaît ou ça plaît pas, toi, tu dis pour toi, puis tu es passé. Affaire de mariage. Le monsieur, je l'ai connu, il a 48 ans. Quand on s'est connu, ça fait 2 ans maintenant. Il avait, comment on appelle ça, 46 ans. Aujourd'hui, il a 48 ans. Moi, j'ai 32 ans, j'attends mon premier bébé. Depuis que j'ai connu ce monsieur-là, c'est les gens d'hommes avec lesquels tu es dans le foyer. La belle famille est là. Il n'est que le seul cadre de sa famille. L'impacteuse, quand je dis le seul cadre de sa famille, ça dit leur grande famille. Tu arrives au village là. Ça dit que dans leur grande famille au village, c'est le seul cadre. Donc, faut imaginer. Faut imaginer. En tout cas. Laissez comme ça. Laissons tout ça là. Et concentrons-nous sur mon sujet. Concentrons-nous. Je vous en prie, concentrons-nous. Ne m'enlevez pas sur la route de mon sujet. Mon sujet est important. Partagez mes personnes. Partagez. Partagez. Tournez la page. Ayo Dagou, comment tu vas? Donc, c'est comme ça que elle a dit que cet homme-là, le seul homme, ça dit que de leur famille. Quand tu arrives dans leur famille, c'est le seul cadre par lequel on respire. Ça dit, il n'y a pas de choya dans cette famille-là. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, elle vit avec cet homme. Ils se sont mariés légalement. Elle dit qu'elle a connu cet homme-là. Il s'est empressé même de la marier parce qu'elle est travail. Elle est aux douanes, s'il vous plaît. Elle dit, je travaille, je suis aux douanes. Lui, il est informaticien, ce qui est sûr. Il a son salaire, mais dans la vraie vie, mon salaire dépasse pour lui. Mais l'impacteuse, le problème, c'est qu'il a ses trois frères qui sont à la maison. Deux garçons, une fille, qui sont déjà adultes. Il y a un qui est élève et puis les deux autres sont étudiants. Tous dans notre maison où on habite. Je ne suis plus capable.
je veux les chasser de cette maison-là. Parce que, ça dit, c'est comme je vois que mon environnement, mon espace est occupé. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit dans le inbox. Mes amis, partagez le direct. Partagez, c'est qu'elle dit des choses qui ne m'ont pas plu. Et puis, ça ne chauffe pas. Boris Beugré, tu sais que je peux te bloquer pour ça. Vous cherchez quoi sur les pages où les idées ne vous conviennent pas? Qu'est-ce que vous cherchez sur les pages des gens? J'ai mis mon sujet, tu me dis n'importe quoi. Est-ce qu'elle est obligée de prendre tout ce monde-là chez elle à la maison? Donc le n'importe quoi là, c'est pour qui? C'est pour celle qui envoyait le message, qui a son problème, qui vit son problème dans son foyer, ou bien le n'importe quoi, c'est pour moi? C'est ça la question. Toi, Boris Beugré, j'ai dit que moi, un blogueur, une personne qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas sur ton direct pour poser un commentaire. C'est ce qu'elle dit. Je ne sais pas, vous promenez des prostituées, de quoi, vous promenez sur les pages, et puis vous venez, tu poses un commentaire, n'importe quoi, c'est pour qui? Le sujet qu'elle a posé, ce n'est pas important. Tu t'es marié avec quelqu'un, ça fait des années, tu t'es marié, 2 ans, tu vis avec la personne, dans le foyer. Ça dit que le monsieur, lui, toutes ses charges-là, c'est sa famille. Et j'ai précisé, le père et la mère vivent. Et en plus du père et de la mère, elle a 3 frères et sœurs. Ça dit 3 mangeurs qui n'ont pas leur place dans son foyer. Elle a ceux-là dans sa maison. Et tu me dis n'importe quoi. N'importe quoi de quoi. Oh, vraiment. D'accord. Donc, elle m'a expliqué le problème. J'ai dit que partager mes personnes, moi et mes bons partageurs, ceux qui sont fans de l'impacteuse. Voilà, le pain est fait sortir. Le pain n'est pas encore sorti. Ça grouille dans mon inbox. Vous comprenez? Les belles familles qui donnent AVC. On a marié le frère. C'est comme si tout le village, on a marié. Mais cet homme-là, comme je lui ai dit, demandé, moi, mes choses, il y a la vérité dedans. Je lui ai demandé, mais quand tu as connu cet homme-là, il vivait dans un petit studio où il était seul là-bas, et puis tu es parti le marier, ou bien il vivait avec ses frères et soeurs. Elle dit, l'impacteuse, c'est ce que j'aime chez toi, parce que tu es pertinente. Ce monsieur vivait avec ses frères et soeurs. Il dit, ah, ma chérie, il vivait avec frères et soeurs. Tu as fait go et gars. Tu as fait comme chez les Blancs. On dit non, je vais venir vivre avec toi quand je vais me marier. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit. J'étais chez mes parents à l'université, tout et tout. Quand je suis sortie, bref, elle est d'une grande famille. Elle est d'une famille un peu aisée. Elle est venue marier quelqu'un. Ça dit qu'elle a marié quelqu'un, si vous voulez, bon, d'une famille. Je vais essayer de peser mes mots. Parce qu'elle m'a dit le monsieur est correct. Puisque le monsieur est correct, c'est ce que je veux. Ça dit, je vais respecter sa part. Parce qu'elle m'a dit, le monsieur est correct. Mais c'est juste que, quand on le paye là, ça dit quand il a fait les dépenses de la maison, tout, parce qu'on dit que chérie, tu es à côté de moi, tu es ma femme, je te fais plaisir, tout et tout. Même le trousseau de bébé qu'elle attend là, c'est elle qui doit faire. Il dit, ah, c'est qu'il y a problème. Il y a un problème. Parce que le bébé que tu attends là, si c'est toi qui dois faire le trousseau là, et puis lui, où son argent va? Elle dit l'impacteur, c'est ce qui est expliqué. Ses frères qui sont étudiants, c'est lui qui paye leur école. Je l'ai connu dedans, donc c'est comme si je les mets liés. Vous comprenez? J'ai connu cet homme-là, je ne peux pas mentir. Ses frères et soeurs me respectent, ils me font tous, ça dit, ils me donnent ma place. Mais l'impacteur, à un moment donné, il faut regarder aussi la vie de famille. Je suis enceinte, moi je pense à l'avenir de mes enfants. Je dis, c'est vrai, hein? Ce problème-là, bon nombre de familles africaines vivent ça. Il y a beaucoup de couples qui vivent ça. Le père, la mère, là, il n'y a pas de discussion. Moi, j'ai déjà dit ça dans une vidéo. J'ai dit que mon mari, tu n'as pas besoin de me rendre compte pour donner l'argent à ta maman. C'est ce que moi j'ai dit. Ça dit que tu te réveilles aujourd'hui, là. Si tu veux, tu envoies. Ça dit que tu as réglé toutes les charges de la maison. Si tu veux, tu envoies tout ton salaire à ta maman. Moi, il n'y a rien à dire dessus. Tu veux, tu envoies tout ton salaire à ton papa. Mes frères et soeurs dans la maison. Comme tu as dit qu'ils te respectent, tout et tout, mais la réalité aussi est là. Ils sont dans des grandes écoles. Elle dit, il est dans une bonne boîte française. Merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé des étoiles. La petite est étouffée, Dani. Une petite étouffée. Elle est le doyen de 48 ans. Elle est le doyen dans 2 ans, il va avoir 50 ans. C'est un doyen, hey, goût. Hein, chez nous, quand on dit hey, goût, c'est pas un enfant. Tu comprends?
Elle, elle a 32 ans. Bon, on veut se marier, tout et tout. Je l'ai aimée parce qu'elle a été correcte. Elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit, l'impacteuse, le monsieur, il est correct. Mais c'est la réalité qu'elle t'explique là. De toute façon, on dit qu'un homme va enlever l'argent. Oui, il me voit que je suis agent des douanes, tout et tout. Oui, mais c'est que les hommes oublient là. Hein? Je suis ingénieur, hein? Je gagne plus que toi. Mais je veux les petits plaisirs aussi. C'est comme le roi quand il vient le matin là. Chérie, ton petit café. Hein? Le petit café qu'il m'offre là, ça me fait plaisir. Je sais que mon mari pense à moi. Si on l'a payé là, il sait ce que j'aime. Les petits trucs que j'aime là, il s'en va, il paye ça. Ah chérie, voici ça. Bah, il sait que j'ai un salaire quand même qui me suffit largement. Tu comprends? Mais là, quand il y a des événements, il peut m'offrir un bijou ou bien il peut m'offrir quelque chose. Ça, c'est correct. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Oui, ma chérie. Ah, nia, on n'a qu'à reconnaître 32 ans là. À 32 ans maintenant là. À quand tu atteins 30 ans, tu es en train de toucher le 35 ans là. Certaines femmes commencent à être fébriles. Tu comprends? Dans la vraie vie, là, une femme peut se marier même à 40 ans, tout et tout. C'est dans la mentalité des Africains. On dit, à 35 ans passé, tu es âgé. Sinon, 40 ans, tu peux trouver un homme qui va te donner l'amour. Mais là, là, dans le cas où elle est rendue, là, vous comprenez? Donc, c'est la réalité qui est là. Un homme peut te faire des plaisirs, même si ta femme gagne plus que toi. Oh, que oui, 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 oui. Parce qu'il y a des hommes, là, quand on vit avec eux, parce que la femme gagne beaucoup, donc lui, il s'est dit que non, elle a des salaires. Une femme reste une femme. Les petits plaisirs que tu as lui fait, là, c'est ce qui va prouver que oui, tu as dit que tu la considères, tu as de l'attention vis-à-vis de sa personne. Vous comprenez? C'est ça, hein? C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Donc aujourd'hui, je lui ai dit, mais ces enfants qui sont à la maison, oui, quoi qu'on dise, c'est des jeunes, ils sont moins âgés que toi, qui sont à la maison, qui te vouent du respect. Ton mari, tu le vois, il est correct, mais c'est juste qu'il ne te donne pas l'argent parce qu'il a ses trois frères plus les deux parents, ça fait cinq. Ah oui, oui, les petites attentions, moi je tiens à ça. Moi je ne suis pas compliqué, hein. Un petit café en venant, comme on dit au Québec, un 2-2, tu comprends? 2-2 ou bien dans la zone anglophone, on dit tout, on met 2 dedans, 2-2. Un petit, il m'envoie ça tous les matins, moi ça me suffit. Mais les des hommes, on est avec eux là, même un pas petit, attention. Il ne sait même pas tes centres d'intérêt, il ne sait même pas ce que tu aimes. Il y a beaucoup de catégories de mariages comme ça. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Pour dénoncer tout ça. Vous comprenez? Hey, ça c'est ma mounette. Oui, salut à toi. Depuis la Guadeloupe, comment tu vas? Oh, merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, elle se plaint là. Elle se plaint de quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça dans les foyers. Vous comprenez? Mais comme je lui ai dit, tu ne vas pas quitter un homme parce qu'il a une famille nombreuse. Ma chérie, si c'était à cause ça, il y a beaucoup de femmes qui n'allaient pas être mariées. Oui, hein, tu as ton travail de douanier. Tu es douanier, tu gagnes beaucoup. Le monsieur, il est correct avec toi. C'est que moi, il dit correct, là. Les hommes d'Abidjan, là. Eux, tous, ce sont les chercheurs de femmes, là. Mais au moins, ils te respectent. Donc, il est correct. Moi, c'est respect, j'appelle être correct. Vous comprenez? Tu me trompes là-bas, hein. Qui m'a appelé? Qui m'a envoyé un message? Hey, Inga Sim. Salut à toi depuis Ottawa. Donc, ma chérie, ces jeunes qui sont à la maison, ils ont déjà du respect pour toi. Vous comprenez? Moi, c'est le respect. Ils vivent chez toi, ils connaissent ta place. Mais tu as pas, est-ce que ces enfants-là, ils vont occuper la chambre du futur bébé qui arrive? Elle dit non, ils ont une très grande maison. Ils ont une chambre. J'ai dit, ma chérie, l'homme n'est pas mauvais à côté de l'homme. C'est le conseil que je lui ai donné dans une bosse que je vous dis ici. Si c'était des jeunes qui étaient à la maison chez toi, et puis ils sont zélés, pas ils sont étudiants, le mari va aller louer la grosse maison, tout et tout, oui, 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 il va aller louer la maison là-bas, c'est des dépenses encore, tout et tout. Mais s'ils sont là, qu'ils n'occupent pas ton espace, elle m'a dit, la maison là, elle m'a dit, en tout cas, c'est une grande maison qu'ils ont.
quand elle a connu, il était dans une petite maison. Mais c'est ça aussi le problème de nous, les femmes. Parce que quand tu m'as expliqué, il t'a dit, il était dans une petite, il était dans une maison avec ses frères, tout et tout. Bon, c'est marié. Parce que quand on veut marier, nous aussi, les femmes, on aime faire les mina-mina, un peu les semblants façon, là. Bon, tu voulais le mariage, tu as dit que non, il n'y a pas de problème. On prend une grande maison. Pourquoi tu avais voulu prendre la grande maison? C'était à quoi? Lui, ses frères qui étaient à côté. Donc, du coup, là, c'est pas parce que maintenant, on a mis la bague au doigt tout de suite, on va rejeter les frères et sœurs. Moi, je suis pas pour ça. Vous comprenez? Si les frères et sœurs sont à la maison qui te respectent, ils sont étudiants, ils te respectent, ils font le ménage. Toi-même, tu as dit, ils font tout. Mais faut pas que leur présence te dérange. J'ai dit que l'homme ne dérange pas. Moi, l'impacteuse, là, j'ai dit que tu viens chez moi, je te donne 3 mois. Par exemple, on est en Occident. Et t'en es du pas chez moi. Je te donne 3 mois et puis je te donne mes 2 règles. Tu viens pas faire débat de soumission avec moi. Et puis ma fille Wendy, tu dois la réveiller comme un bébé. Voici les 2 conditions. Si tu as respecté ça là, tu vas être mon bon petit quand tu as quitté ma maison. Tu vas être mon bon. Merci pour la personne qui m'a envoyé des étoiles. Vous comprenez? Mais c'est à toi la femme. Quand on marie quelqu'un là, est-ce que souvent il y a des familles qu'on regarde? Bon, il y a des familles qui ne sont pas riches, mais qui sont des familles, comme j'appelle, des familles qui ont de l'honneur. C'est pas une question d'argent nécessairement, c'est une question d'honneur. Il y a des familles, je leur ai dit que quand tu vas, dit que quand je m'en vais, moi-même j'achète chaque fois qu'on va au village, une fois par mois pour rencontrer ma belle-mère, je paye des cadeaux, tout et tout, parce que vraiment mes deux, elle a parlé, elle a dit que ses deux beaux-parents, elle n'a pas de problème, elle-même elle fait des dépenses. J'ai dit, mais donc ceux qui sont là, ils sont de passage, mais tu as dit qu'il y a un qui est étudiant, s'il est étudiant, ça veut dire qu'il a le bac, faut aider ton mari, hein. On dit que là-bas, là, vous faites les kouchas là-bas pour pouvoir avoir les concours. Aide ton mari là-bas. Vous allez faire un kouchas pour que si l'autre a eu le concours, il va quitter dans vos yeux. S'il a eu son concours, est-ce qu'il va être dans ta maison encore? Quand tu es avec un homme qui a une famille nombreuse, par exemple, toi, tu as dit que ta famille est aisée, mais lui, sa famille n'est pas aisée. Mais tu as regardé dans ton cercle des aisés là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui t'a marié. Quelqu'un t'a pas marié là-bas pendant tout. Donc, c'est une chose qui t'a marié. C'est ça. Fred, touche pas à ça. Voici mes 2 trucs. Soumission et Wendy. Si tu n'as pas touché les 2 trucs là, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. J'ai parlé, elle dit vraiment l'impactus. J'ai dit, c'est la vérité, il te dit. C'est pas parce qu'on a une bosse ici, je te dis. Le monsieur est correct. Donc, par sa famille à la maison, il te dit, faut lui manquer de respect. Ou bien, faut manquer de respect à sa famille. Faut les chasser de la maison. Moi, où tu me vois là, je peux vivre avec l'homme. Je vis avec l'homme sans problème. J'ai dit que l'homme n'est pas mauvais à côté de l'homme. Merci beaucoup. Dieu en a partagé le direct. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Vous comprenez? Merci beaucoup. Non? Nina, c'est ça qui est là. Mais cet homme-là, tu l'as marié, il t'a honoré, il t'aime tout et tout, tout et tout. Il te donne pas là, mais à un moment donné, oui, c'est vrai, il te donne pas là, c'est sûr que il va pas te donner là tous les jours pour couper. Ben, lui, il voit que ton salaire, même là, c'est que tu gagnes là, ça dépasse. Garçon aussi, quand c'est comme le roi, hein. Et à ce temps-ci, là, il travaille tellement qu'un jour, je l'ai fait à son, et j'ai dit de payer. Il a dit, papa. Mais toi-même, là, avant, quand là, n'était pas beaucoup là. Quand tu allais à l'école, mais j'ai dit que les hommes, partagez le direct, mais personne. Moi, il prend plus, mais quand je le confonds là, il fait un sourire, puis il fait. Quand il fait là, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. J'ai dit que 2 jours là, on ne dit plus le salaire. Avant là, quand le salaire, parce que quand il va à l'école, il fait 10 quinzaines là, un petit 4 ou bien 5 quinzaines là, là, n'est pas beaucoup. On commence à dire, ces temps-ci là, aujourd'hui la paie est tombée, je n'ai pas. J'ai dit, mais papa, ces temps-ci là, tu ne parles plus, hein. Là, tu fais les 10 quinzaines, plus les supplémentaires. Il n'y a plus commentaire de ça. Hein, le salaire là, tu chantes plus dans mes oreilles que. Pourquoi quand le salaire est beaucoup, on ne dit pas? C'est quand l'autre, le salaire n'est pas beaucoup, on vient dire pour fragiliser l'autre. Donc quand tu me disais chaque 2 semaines de paye, chérie, oh, j'ai dit ma paye même là, ma paye même était. Il dit là, qu'est-ce qu'il a un mot qu'il aime dire là? C'est une paye bâtarde même j'ai eu aujourd'hui. J'ai dit, ah, c'est comment? Il dit, mon cher, tu sais qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Mais quand on a beaucoup travaillé là, on ne donne pas les détails. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ouais, les lunettes de la gloire, les lunettes qui vont avec. Là là, vous allez me tuer. Vous comprenez? Il me regarde quand il dit, toi tu es folle.
Il a dit, quand on t'attrape, on te prend sur les fers, là, c'est, tu es folle. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Avant, quand le salaire n'était pas, je vous ai dit l'année passée, là, oh, le roi va à l'école. Le roi va à l'école. Là, en ce moment-là, dès que j'ai dit des payes tombent, là, c'est dans mes oreilles. Oh, et ma paye n'aime pas beaucoup. Je sais même pas si j'ai payé la maison. Il a dit, maison, on est dedans depuis des années. Là, il n'y a pas de problème. Quand c'est quoi maintenant? Il a dit, bon, tiens, il a été viré au moins 1000 dollars. Tu as, merci, toi. Là, il n'y a pas, mais depuis 3 mois, là, on ne me dit plus le salaire. On ne me dit plus, hein. La dernière fois, je l'ai fait, ça, j'ai dit, aïe. Le salaire, là, on pleure plus dans l'oreille. Quand ça va, on ne dit plus le salaire. Vous comprenez? C'est la vérité, il dit. Lui-même, il sait que ce qu'il dit. Après, il écoute mes vidéos quand il a le temps. Il dit, toi, je dois te laisser comprendre, tu ne mérites pas. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Ah oui, 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 ils sont suivis. Jennifer Yao, ils sont suivis ici. Ils sont très suivis. Ils sont suivis. On les appelle les enfants à besoins particuliers. Ah, Sari, Sari, c'est ça l'impacteuse. Partagez. Partagez le direct. Partagez. Qui dit salaire? Il m'a dit, mais quand toi tu travailles les 4 quinzaines avant là, c'est pas. Quand tu travailles à TV, en ce moment, tu payais que 4 jours sur 2 semaines. Là, c'était les pleurs dans mes oreilles. Oh, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Oh, comment je vais faire? Et c'est cette maladie-là va me laisser. Ça dit que tu mettais et à faire du salaire et à faire de la maladie sur ma tête. Tout ça, j'ai supporté. Tu vis à une femme, elle met sa maladie et puis son salaire sur ta tête. Là, tu es foutu. Mais les deux, j'ai supporté. Donc, toi aussi, tu as supporté. Ils sont versés. Vous comprenez? On ne va pas regarder la pauvreté d'une famille pour dire non, comme je suis d'une famille tant. Marie, vous savez, c'est ce monsieur, tu m'as dit ses valeurs. Peut-être qu'il n'a pas ce réflexe de te faire des petits cadeaux, mais tu peux lui dire, chérie, c'est vrai, hein, j'ai un bon salaire, mais moi aussi, là, je me sentir femme si tu me fais des petits cadeaux. Il va programmer quelque chose. Mais ses frères qui sont à la maison, dès lors qu'ils te respectent, ils te font tout. Aide-le pour que ces frères-là, demain, soient plus une charge pour vous. Toi, de ton côté, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu es l'avant-dernière de ta famille. Toutes tes soeurs travaillent. Donc, tu dois aider le monsieur avec lequel tu vis là pour que lui, dans sa famille, il puisse s'arranger. Si sa famille... le roi qui est là, là. Je lui ai dit que, quand je lui ai dit ça, là, il a dit, quand il a pogné, là, nous, au Québec, on dit pogné. Ça veut dire, j'étais attrapé. Quand il a pogné, il fait sa tête, quoi. Il sourit d'une manière. C'est que tu as gagné. Il dit, toi, viens te laisser tes folies. Tu comprends? Donc, j'ai dit à notre soeur. Tu comprends? Donc, j'ai dit à notre soeur que, ça dit que tu peux pas regarder ça pour dire que non, Je vais, après dans les inbox, elle m'a dit, moi l'impacteuse, en tout cas moi je vais les jeter dehors. J'ai dit que non, tu ne peux pas les jeter dehors partout. Comment tu vas les jeter? Tu peux pas, comment tu vas les jeter? Oh, nia, mais à moi, je suis déchargé. Mon Gorian, attendez. Oh.